La deuxième demi-finale ici au stade olympique de Sousse. 2 minutes de jeu entre le Mali et le Maroc. Le ballon dans les pieds du capitaine Diarra. Bienvenue donc pour cette deuxième demi-finale après la qualification in extremis au pénalty de la Tunisie. On va donc jouer ici un petit peu au sud de Tunis, l'autre place de finaliste. Et ce match, nous aurons le plaisir de le suivre en compagnie de deux invités de marque. Claude Sirion, bonsoir. Bonsoir. Mais également en compagnie de Dominique Colonna. Dominique, bonsoir. Bonsoir. Et puis nous aurons au Eliane. Bord de la touche, Eliane. Eliane, bonsoir. Alors une équipe marocaine qui se présente avec quelques changements et notamment l'absence de Zahiri qui est malade et qui ne figure pas dans cette équipe de départ avec Hadji plutôt en attaquant et qui pourrait bien être celui qui serait la plus grosse menace pour les Maliens. Une équipe marocaine qui se présente avec une défense à 4. Une disposition qui ressemble beaucoup à celle qui fut utilisée par Zaki à la fin du match contre l'Algérie. Donc trois changements opérés par Badou Zaki. Attention à ce ballon pour le petit Hadji qui fait faute Youssouf Hadji sur Daouda Koulibaly. Les rentrées d'Akram Roumani qui prend la place de Talal El-Karkouri, blessé, que l'on ne reverra peut-être pas dans cette CAN, touché à la cuisse. Mohamed Yacoubi rentre sur le côté gauche du milieu de terrain à la place de Karja. Et puis vous l'avez dit, le Sochalien est blessé. C'est donc Youssouf Hadji qui va évoluer aux côtés de Chamakh en pointe. Deux changements seulement pour les Maliens, puisque Diamouténé, qui était gêné par une entorse depuis le début du tournoi, laisse sa place. Apparition de Brahim Thiam, le meilleur défenseur de Division 2 en France, qui évolue à Istres. Sami Traoré passe de la défense centrale au poste de latéral droit. Et puis le petit Bassala Touré laisse donc sa place à Daouda Koulibaly sur le côté gauche. Si on a un changement de dispositif tactique côté marocain avec une défense à 4, par contre c'est toujours du 4-4-2 pour les Maliens. Attention à ce ballon en profondeur, Brahim Traoré, retour de Noureddine Demet. Les Maliens qui conservent leur dispositif qu'ils avaient utilisé contre la Guinée avec Kanouté et Brahim Traoré devant. Une faute sifflée par M. Aboubakar Charaf, qui est l'ivoirien, l'arbitre ivoirien de cette rencontre, et est assisté de Justice Yaboua du Ghana et Jean-Philippe Guizot, français. C'était une faute de Brahim Thiam sur Marwan Chamakh, le Bordelais. Attention sur ce côté gauche, au pied magique de Mohamed El Yacoubi. Facilement reconnaissable puisque dans son dos, vous verrez, il porte son surnom, le surnom de Moa. Sami Traoré, le grand Sami Traoré, le polyvalent de la défense des Aigles du Mali. Une longue touche vers Frédéric Kanouté. Koulibaly, Soumela Koulibaly, l'attaquant de Fribourg. Le petit Hadji dans le rond central. Joué, dit monsieur Charaf Aboubakar, l'ivoirien. Et ça repart côté gauche pour les Maliens avec Daouda Koulibaly. Petite faute sur le milieu de terrain Châteauroux. Alors la question qu'on pourrait vous poser, Dominique, tout d'abord, puisqu'il y a eu 24 heures de décalage entre les quarts de finale joués par les Maliens et les Marocains, plus la prolongation, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? Moi je pense que c'est un avantage. D'ailleurs, les Maliens, on voit tout de suite, ils sont dans de meilleures dispositions. Il est vrai qu'ils ont eu un parcours plus facile, bien qu'ils ont eu un quart de finale gagné, disons, avec un peu de chance, et que les Marocains ont été quand même assez éprouvés quand le match contre l'Algérie. Et ce début de match le prouve, je crois qu'ils se trouvent plus facilement, et je pense que les Marocains auront du mal, à moins qu'ils ne compensent par un jeu plus collectif. Par un jeu plus collectif, petit avantage de fraîcheur donc en faveur des Maliens, alors que l'on joue depuis 6 minutes. Et que Ouadou redonne ce ballon à son gardien, Ralif Koulamik.
Fulami, Claude, qui n'a encaissé que deux petits buts depuis le début de la CAN. Qui a été très sûr, nous l'avons vu face à Guinée, il a été assez remarquable dans sa façon d'anticiper, notamment sur le coup d'attaque. Il a 31 ans, il n'avait pas joué pourtant depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même, dans son équipe portugaise de la cabinet Coimbra. Mais il a toujours été très présent. Monsieur Charaf, qui ne veut pas s'en laisser compter, je crois que la leçon a bien porté, notamment la leçon du match Tunisie-Sénégal. Et donc les arbitres sévissent dès le départ. Un coup de percussion, oui, entre Djibril Sidi Bé, le monégasque prêté à Châteauroux, et le numéro 16, le marocain Mokhtari. Coup franc donc pour les Lions de l'Atlas. Sidi Bé dit Moa, place son mur. Bien tiré et relâché par Sidi Bé, alors que le ballon sortait, s'offrira un premier corner au Marocain. Un mot peut-être, Eliane, pendant que le ballon va vers le corner, sur l'ambiance dans le stade. Bah, écoutez, pas beaucoup de monde, mais beaucoup de supporters marocains. Trois gardiens qui sont arrivés avec des supporters marocains et quelques Maliens. Et bien sûr, les banderoles. Sur l'une d'elles, il est marqué, les Lions sont des prédateurs féroces. Dégagement au premier poteau de police, Adama Koulibaly, le Lensois. Touche que va jouer l'infatigable Regragui. La tête de Koulibaly. Alors Regragui se positionne à nouveau comme lors du dernier match face à l'Algérie. Très en retrait, c'est une véritable défense à 4. Et Regragui vient chercher les balles très loin et il utilise sa pointe de vitesse pour remonter et pour ainsi servir ses attaquants. Il aura un rôle, Regragui qui centre ici au point de pénalty. Dégagement du crâne rasé de Thiam. C'est pas terminé, si, avec le capitaine Diarra, longue chandelle vers ses attaquants, vers Traoré et Kanouté. Oui, le rôle essentiel certainement dans le couloir droit de Regragui. Parce que si le match Mali-Guinée, ça s'était joué essentiellement au milieu de terrain, et d'ailleurs on avait été surpris. On s'était ennuyé. Et on avait été surpris de la domination des Guinéens qui auraient dû, hein, il faut bien le dire, Claude se qualifier, qui s'était fait surprendre par deux buts dans le temps additionnel, l'un de Kanouté et l'autre de Diarra en toute fin de match. Une grosse erreur du gardien guinéen. Là ça pourrait par contre, et on le voit d'ailleurs dans ce début de rencontre, se jouer dans les couloirs, Mokhtari. À l'image de ce duel entre Mokhtari et Diarra. Koulibaly vers l'autre Koulibaly, Draman, Traoré, Frédéric Kanouté en pivot. Les deux équipes ont en commun d'avoir déjà marqué 9 buts. Seulement le Maroc n'en a encaissé que 2. Ouadou avec le nouveau rentrant en Roumanie. Attention à ce ballon qui voyage. Abdel Kessi. Mohamed El Yacoubi. Intervention sèche de Thiam. Vous avez vu comme Yacoubi est capable de se déporter totalement, d'aller chercher le ballon très loin afin d'apprivoiser ses attaquants. Toujours le jeu à 3 sur les côtés, cette fois-ci c'est pas passé. Kessi en profondeur avec Mokhtari et Thiam qui doit intervenir devant Mamadou Sidi Bé. C'est pas Thiam, c'est Sami Traoré qui était venu se replacer dans l'axe. Une touche longue certainement d'Akram Roumani pour la tête de Chamakh. Il remet ça dans le paquet, Abdel Kessi. Pour Mokhtari, là-bas. Les dégagements maliens. Ousseni Diarra, directement sur Regragui. Appel Tadji. Diarra, Diawara. Et la touche sera malienne. Il n'y a pas vraiment Dominique Colonna de rang d'observation. Non, les équipes reviennent vite. Comme je le disais tout à l'heure, le salut à ce stade de la compétition vient du fait qu'ils puissent se retrouver facilement sans pour cela faire des efforts. Parce qu'on sent quand même que ça pèse déjà dans les jambes. Encore un duel gagné par Koulibaly. Coup franc ou touche ? Coup franc, indique monsieur Aboubakar. Un petit peu plus de faute commise pour le tirer.
un petit peu plus de fautes commises dans ce début de rencontre par les Marocains. Voilà, un coup de pied du Niçois dans la boîte. Attention à cette récupération de Diarra, une frappe contrée qui ne posera pas de problème à Khalid Foulami. Cette petite frappette qui avait fait la différence en quart de finale, frappette contrée. Diarra qui a déjà marqué deux fois dans ce tournoi. Toujours les duels dans les couloirs, dont sort souvent vainqueur El Dragic vers Chamakh, qui obtient une faute. Une faute de Sami Traoré qui s'est fait mal en retombant. On n'a pas parlé de l'ambiance, Claude. Non, mais l'ambiance, comme le disait Eliane, il n'y a pas beaucoup de monde dans les tribunes et on peut regretter qu'à nouveau une demi-finale de la CAN soit aussi peu suivie, mais sans doute est-ce l'effet de la télévision et du froid qui règne aujourd'hui sur Sousse. Mais tout de même, c'est un petit peu dommage. Alors il y a des Marocains, beaucoup de Marocains et quelques Maliens. Et pour le reste, eh bien, c'est aux joueurs de faire le spectacle et peut-être que l'ambiance va se détendre. Mais pour l'instant, on assiste à un match qui est plutôt bien engagé, comme le dit Dominique Colonna. Je pense que les équipes ont compris que la seule façon d'aller jusqu'au bout et peut-être même d'aller au pénalty, c'est d'économiser physiquement leurs efforts et de faire circuler le ballon. Pour l'instant, c'est un match qui est agréable. Alors la dernière rencontre entre le Mali et le Maroc, c'était au mois de novembre de l'année dernière et le Mali l'avait emporté 1-0. C'était un match amical, il est vrai. L'enjeu est tout autre puisqu'il s'agit de se qualifier pour la finale de la CAN. Une compétition que le Maroc a remportée, 76, mais jamais le Mali. Le pied gauche de Mokhtari. Ah oui, c'est un très beau but. Très joli coup franc, très pur. C'est sa deuxième chance. La première, il avait mis à côté. La deuxième, il choisit l'angle opposé et trouve pratiquement la lucarne de Mamadou Sidibé. C'est la joie dans les tribunes. Le Maroc va faire la course devant. Et quel coup franc, quelle perfection, quelle frappe pure de Mokhtari. Ah, sans doute que Sidibé doit regretter d'avoir placé son mur comme cela, car il a pu enrouler sa balle, mais masquer aussi son tir, et Sidibé ne pouvait rien. C'est une très jolie frappe de Mokhtari, très jolie. Ah, dès la 14e minute, 1-0 pour le Maroc, pour la plus grande joie des supporters nombreux qui sont ici dans ce stade de Sousse. On a aperçu également sur ce coup franc une fausse piste, un faux appel effectué par Abdel Kaïssi qui a sans doute trompé un petit peu sur ses appuis le gardien malien Mamadou Sidibé. On n'a pas pu assister aux derniers entraînements. Badouzaki, vous avez fermé la porte des dernières sessions d'entraînement qui se déroulaient à Monastir et il a sans doute beaucoup travaillé sur les coups de pied arrêtés, car quand la fatigue est là, c'est souvent là que la décision se fait, n'est-ce pas Dominique Colonna? Moi je pense que je l'ai vu sous la trajectoire et peut-être qu'elle a été déviée, enfin on l'a pas bien vu, mais je pensais qu'il était en dessous. Quoi qu'il en soit, c'est le scénario idéal pour les Lions de l'Atlas. Parce que c'est une équipe qui aime bien aussi jouer en contre. Vous avez donné les chiffres, il faut rappeler que pour les passes qualificatives, les hommes de Badouzaki qui avaient pratiquement fait le plein de points, 16 sur 18, n'avaient marqué que 10 points, mais n'avaient encaissé aucun but. Il serait donc intéressant pour les Maliens que le score en leur faveur puisse bouger le plus rapidement possible. Absolument, parce que là, on va voir si la fraîcheur dont on parlait tout à l'heure, elle est réelle. Ah, il est vraisemblable que le Maroc va resserrer encore plus sa défense et comme c'est son point fort, seul Kanouté peut-être d'un exploit personnel pourra passer cette défense, mais les Marocains sont très habiles à ce jeu-là. De bonnes prises à deux sur les côtés pour observer dans la boîte. Kanouté un petit peu court. Attention parce que s'il faut bloquer les couloirs, il faut également, vous l'avez bien noté Claude, surveiller au centre ce diable de Kanouté. Les chiffres sont très évocateurs à son sujet. Ah, Kanouté marque souvent et la dernière fois il a marqué une sorte de pichenette. Il s'est joué d'un défenseur guinéen, il a marqué un but qui paraissait près une balle anodine et il s'en est emparé très facilement. Donc il faut être très vigilant sur ce joueur de Tottenham qui
fait l'objet de beaucoup d'attention de quelques agents qui se trouvent ici à la CAN. Je sais s'il y en a, oui. Mais je pense que le Mali ne pourra pas gagner s'il n'attaque qu'un seul attaquant. Il faudra quand même qu'il monte un peu plus vite derrière. Kanouté a marqué 4 buts, 3 passes décisives. C'est-à-dire qu'il est vraiment le sorte de patron de cette équipe dans cette organisation de jeu. C'est le meilleur buteur de la compétition, encore en activité. Dramane Traoré. Ah oui, ils se mettent à deux pour empêcher la course de Traoré. Ballon ressorti très proprement et très calmement. Vers Chamakh. Chamakh se fait contrer par Djibril Sidibé. Hors-jeu de Kanouté. Hors-jeu sifflé par M. Iso. On va revoir cette petite merveille. Ah, il ouvre bien son pied, il enroule bien la balle. Et s'il y a assez peu de spectateurs, par contre, l'ambiance est là. Ah, ça y est, c'est parti. Fouami récupère le ballon. Relance à la main vers Akram Roumani. Bien fait de la part du buteur Mokhtari. Le précieux Keïssi vers Youssouf Safri. Il a pris un tacle à retardement à Abdel Keïssi. Ouais. Il s'est blessé au centre du terrain. Le seul Marocain de cette équipe a joué, et c'est assez rare, hein, Claude, en Russie. Oui, il joue à Kazan, Rubin, en Russie. Alors, je ne sais pas s'il a appris le russe, mais quelquefois, c'est bien pratique de connaître des langues étrangères pour discuter avec ses coéquipiers sans se faire entendre des autres. Je sais que dans certaines équipes, ça se pratique. Tavarish Paruski. Très sportivement, les Maliens rendent ce ballon. 20 minutes de jeu, 1-0 pour le Maroc. Ouverture du score à la 13e. Au fond, splendide de Youssouf Mokhtari, qui lui joue en Allemagne. Ah, dans un club dont vous aimez prononcer le nom, cher Frédéric. Walter Brockhausen. C'est la deuxième division allemande. Youssouf Safri vers Mokhtari. L'arbitre laisse l'avantage pour Sami Traoré, avancé mais contré. Voilà un bon ballon pour les Marocains sur la gauche avec Mohamed El Yacoubi. Il y a faute. Ah là, il s'est appuyé sur lui là. Comme il y a une légère différence de taille, comme vous pouvez le constater, de 20 petits centimètres. Il faut faire très attention. Il est difficile à épauler. Il faut faire très attention à Yacoubi. Il va vite. Il a une couverture de balle remarquable et il est capable d'aller très loin sur le côté et dans les coins pour pouvoir renvoyer la balle au centre. Et c'est un joueur très rapide. Pour tirer ce coup franc, le petit milieu de terrain de Coventry. Youssef Safri, non. C'est le vent, entre autres, qui a emporté ce ballon. N'est-ce pas, Dominique? Il y a un petit peu de vent. Hein, oui, un peu de vent, oui. Mais c'est pour ça que les Marocains, eux, qui jouent bas la terre, bon, excepté évidemment les tirs à proximité du but, progressent mieux. Et les Marocains font preuve d'une grande sérénité. Hein. Ils sont très, très placides. Effectivement, ils combinent bien, ils mettent la balle à terre, évitent les grandes balles qui pourraient être reprises. Ils sont, je crois qu'ils sont conscients aussi d'une certaine infériorité athlétique. Ils sont pour la plupart moins grands. Le double contact de Chamakh. Bien bloqué par Adama Koulibaly. Recontre. Il a laissé jouer monsieur l'arbitre. Et ça se termine par l'obligation pour Sidibé de mettre ce ballon au corner. Je crois que c'est Mokhtari qui a pris un mauvais coup.
il n'empêche que les Maliens jouent plus vite qu'à leur habitude. Il semble-t-il que ce but pris en grande surprise sur un coup de pied arrêté les a un peu fouettés et ils vont beaucoup plus vite. Et on voit Traoré notamment s'employer aussi bien devant que derrière pour essayer de conserver le ballon. Ça donne effectivement de temps en temps des fautes qui pourraient être évitables. Ah, c'est Regragui qui avait été touché. Et qui va sans doute pouvoir assez rapidement revenir. Ah, c'est vrai, Claude, que le football des Maliens, ce n'est pas forcément un football rythmé, c'est un football en faux rythme. En faux rythme, et très souvent, ils se sont qualifiés un peu in extremis, comme ça, profitant de quelques exploits individuels. Mais là, ils sont obligés de faire le jeu. Le deuxième corner, pour les Marocains. Le premier de droite à gauche, tiré par Ali Yacoubi. Koulibaly, de nouveau, était venu placer sa tête. Kanouté se bat. Sami Traoré. Avec Souleyma Koulibaly. Djibril Sidibé. Raman Traoré. Diawara. Daouda Koulibaly. Raman Traoré. Trois défenseurs face à lui. Obligé de repasser par son milieu de terrain et par son capitaine Mamadou Diarra. Et pas beaucoup de solutions offertes à Koulibaly. Et pour l'instant, Dominique Colonna en milieu de terrain, il semble que le milieu de terrain malien ait quelques soucis à se trouver. Oui, parce que les Marocains reviennent très vite et laissent peu d'espace. En gros plan, Akram Roumani qui joue en Belgique à Genk. Long ballon devant, toujours vers Chamakh. Koulibaly en profondeur, Traoré. On va peut-être essayer d'accélérer le jeu avec moins de touches côté malien. Mais le ballon est marocain. Vous savez comme les Marocains restent prudents en défense. Hein. Ils restent bien en place à 4. Hadji sur le côté gauche. Il va percuter. Centre de l'extérieur d'Hadji. Contré. Deuxième chance. Avec Mokhtari. Thiam. Très souvent, Chamakh se trouve isolé sur le centre comme ça. Hadji étant légèrement décalé sur la gauche. La tour de contrôle de Lensois Koulibaly a sauté son milieu de terrain pour trouver Traoré. La possession de balle et le score en faveur du Maroc. Adama Koulibaly, Mamadou Diarra, qui demande à des joueurs de décrocher. Attention à ce garçon, Souleyma Koulibaly. Il se fait contrer par Safri. Et Koulibaly, vous l'avez vu en gros plan, qui demande à ses partenaires de se réveiller. Car le temps passe. Adama Koulibaly, c'est l'ancien capitaine. Le bon marocain. Tranquillement. Avec Badou Zaki. C'est là aussi, Claude, c'est à croire que pour nous, c'est une constante. C'est là aussi un match entre ex-gardien sur le banc. Ex-gardien sur le banc, Zaki, Stambouli sur le banc. Et je vois souvent, je ne sais pas si Eliane est près de Zaki, mais Zaki s'agite souvent. Souvent, il s'avance, il donne beaucoup de conseils. Il est très présent vers ses joueurs. Eliane, vous avez constaté ça ? Oui, Claude, vous avez raison. Et tout à l'heure, on a vu sauter de joie lorsque son équipe a ouvert la marque. Mais il est très très présent et je pense que le message passe 5 sur 5 avec ses joueurs. Et c'est récent sa place d'entraîneur. Elle est récente, mais apparemment tout se passe bien après quelques petits problèmes à la suite du match perdu en match amical contre le Mali. Mais là c'est en compétition officielle et ben, ça va pour Badou Zaki. Pour l'instant. Allez, Kouami. Place un mur à deux. Koulibaly pour le tirer, deuxième poteau, Kouami doit sortir. Dégagement difficile devant Frédéric Kanouté. Bienvenue. El Yacoubi va chercher en profondeur. Hadji. Hadji a levé la tête, oui.
Ah, il est tout seul, il a levé la tête. Ouais, il obtient quand même. C'est ce qu'il pouvait obtenir de mieux. Il est vrai que là, Zaïri leur manque beaucoup aux Marocains, parce que Zaïri a une pointe de vitesse, a été constamment devant pendant tout le match face à l'Algérie. Et donc là, sans doute que Ouchamak ou Hadji vont se sentir un peu seuls. Le troisième corner pour les Marocains, contre aucun au Malien. Boa pour le tirer à deux cette fois-ci. Un relais avec Casey. S'ouvre un petit peu l'angle et pourquoi pas frapper. Ah non, il a trop conservé le ballon. Voilà une balle de contre pour les Maliens. S'il peut la donner à Dramane Traoré. Diawara. Daouda Koulibaly. Et toujours ces transmissions difficiles entre le milieu et l'attaque. N'est-ce pas Dominique Colonna? Je ne sais pas s'ils pourront tenir comme ça les Marocains, mais pour l'instant, ils jouent parfaitement, ils se regroupent bien, ils vont vite. Maintenant, reste à savoir si un match 90 minutes, c'est long. Thiam. Les Maliens cherchent une solution. Ils sont très, très désemparés, semble-t-il, devant cette défense organisée en place qui semble ne pas bouger, qui attend les ballons quasiment. Un relais. Regardez. Entre Sidibé et Diarra. Ils sont là, ils sont tout le temps là. Intervention splendide de Nebet, qui Claude vient de fêter ses 34 ans. Bon anniversaire, c'était hier. Et, vous savez, c'est quelqu'un qui est passé par Nantes, alors forcément c'est un bon joueur. Vous avez également un Bastien dans l'équipe marocaine, pour vous Claude. Absolument. Bientôt la demi-heure de jeu, toujours 1-0 pour le Maroc, but de Mokhtari. Canupé, centre de Sidibé vers Dramane Traoré, impeccable dans les airs, Noureddine Nebet. Roumani se couche pour donner ce ballon à Nebet. El Yacoubi talonnade, il n'y a pas faute. Kanouté, difficile pour Kanouté d'exploiter ce ballon sur la droite. Enfermé dans la défense marocaine, l'avant-centre malien. Mokhtari, poursuivi par deux joueurs, ne pourra empêcher ce ballon de sortir. Mais vous l'avez dit, Claude Sirillon, vraiment, il y a une sensation de force collective chez les Marocains assez impressionnante. Oui, les Maliens ont entrepris d'aller à l'assaut, de multiplier les combinaisons, d'imposer peut-être leur présence physique, leur présence athlétique plus grande, mais ils ont beaucoup de difficultés à trouver la faille. Kanouté, passé sur la gauche, obtiendra ce premier corner. Badouzaki le voilà. Souvenez-vous, la première équipe africaine a passé un premier tour de Coupe du Monde. C'était avec Badouzaki dans les buts. Le Maroc, 86. La Coupe du Monde au Mexique. Et il avait fallu un but tardif de Lothar Matthaus pour mettre fin à leur aventure. Diarra va se battre à la lutte avec Craig Raghi. Casey s'y met également cette reprise de Dramane Traoré qui était cadré. C'est un joli geste. C'est un joli geste. Ah, ça fait du bien de voir des jolis gestes dans le football. Marocain qui n'arrivait pas à prendre le dessus. Regardez. Dans les airs. Et Fouami était bien placé. Et c'est le premier tir cadré côté malien. Il aura fallu attendre une demi-heure de jeu. Mais constatons d'ailleurs, je ne sais pas si Dominique Colonna sera de mon avis, que dans cette CAN, il y a eu peu de tirs cadrés. Absolument. Mais ça vient aussi du fait que bon, les défenses se regroupent très vite et qu'ils n'ont pas toujours le temps d'armer le tir. Mais là, en l'occurrence, il a fait une bonne chose parce qu'il avait quand même 4 Marocains autour. Loin devant, Sidibé, Kanouté a mis le bras sur Roumani sans que M. Aboubakar Sharaf ne bronche. Il a bien raison puisque le ballon est marocain. Toujours, c'est remonté à une touche
supérieurs à leurs adversaires dans le jeu court, les Marocains, ça c'est sûr. Avec Mokhtarik. Safri. Faut qu'il fasse un petit peu attention aussi à pas trop jouer justement à ce petit jeu. Vous voyez que la fraîcheur de Sousse n'a aucun effet sur les supporters maliens. Alors c'est sans doute l'effet de la fin du match et la victoire de la Tunisie, mais le stade se remplit petit à petit. La Tunisie s'étant imposée, faut-il le rappeler, 5 pénaltys à 3. Akram Roumani, qui pour l'instant fait une entrée parfaite à la place d'El Khoury. Abdel Kaysi avec moi qui a accroché un peu le maillot de Diawara. On a assez critiqué les arbitres pour signaler cette bonne première demi-heure effectuée par Aboubakar Sharaf, l'ivoirien, car il siffle à bon escient mais laisse souvent l'avantage, n'est-ce pas Dominique Colonna? C'est vrai, c'est une bonne surprise ces 3-4 dernières rencontres auxquelles on a assisté. On a vu de bons arbitres qui laissent jouer. Ça c'est une agréable surprise. Et du coup, le jeu est plus clair, plus spectaculaire. Absolument. Et ce qui est intéressant d'ailleurs à noter, c'est que par rapport au premier tour, le niveau de jeu est bien meilleur. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les joueurs compensent par un jeu collectif, essayent de compenser. Attention à ce ballon de Diarra. C'est pas terminé. Avec Daouda Koulibaly, il a fait le mauvais choix. Tir lointain de Sami Traoré. Et les Marocains laissent seulement Chamakh devant. Toute l'équipe marocaine est regroupée. Manifestement, Badouzaki a dû donner des consignes pour que l'équipe sache complètement défendre et éventuellement attaquer. Mais d'abord défendre pour maintenir non seulement ce score, mais la capacité de garder le ballon, d'avoir la possession du ballon. Un ballon qui est sorti en dépit des efforts du petit Hadji, Youssef Hadji. Toujours cette possession de balle au milieu de terrain des Marocains. Oui, à une touche. Mokhtari lance la fusée Chamakh. Trajectoire coupée par la police Koulibaly. C'est pas la police, c'est parce qu'il a un surnom. Je rassure nos téléspectateurs de TV5 et de CFI. Non, non, mais c'est le petit surnom que les Maliens lui donnent à l'entraînement. Oui, ça pourrait être douteux. C'est... Diarra. Mokhtari. Avec El Yacoubi, centre arrêté de Yacoubi, le voici Koulibaly, pour se débarrasser de ce ballon, c'est ce qu'il fait avec l'aide de Diawara. Daouda Koulibaly, le régulateur et capitaine Diarra, ouverture vers Kanouté, qui va tenter de se retourner, belle anticipation du défenseur Roumani, Kanouté est obligé de centrer. Joli. Dramane Traoré en retrait vers Diarra. Daouda Koulibaly, on tourne devant la défense mais sans pouvoir la pénétrer, sans pouvoir trouver les intervalles ou le décalage. Le problème c'est que les Marocains sont tous regroupés à l'exception de Chamakh. Et donc c'est très difficile pour les Maliens. Diawara a pris son couloir et monté, centre vers la tête de Kanouté. Kanouté, reprise de Koulibaly largement au-dessus. Quand ils attaquent à 3, ils peuvent être dangereux. Ah, Koulibaly a déjà marqué une fois, je crois que c'était contre le Burkina Faso. Et pendant que M. Stambouli passe un petit pull-over, parce qu'il ne fait pas très chaud, tout se passe bien pour les Marocains qui mènent 1-0. Hadji vers Chamakh, Mokhtarik. Cam laisse rebondir ce ballon. Koulibaly, Mokhtari. Charge de Youssef Safri. Ah, petite attaquation. Attention. Avec Djibril Sidibé. Je pense que M. Sharaf va pas aimer ça du tout. Même s'il est plus petit que tout le monde, il va pas aimer. Ah, c'est dommage hein, parce que c'est parti, regardez, d'une faute totalement bénigne. Oui, c'était pas grand chose. Mais je crois qu'il y a eu des mots. Et je pense qu'il va y avoir un carton.
L'inquiétude se lise sur le visage d'Henri Stambouli. Attention au carton, ça pourrait être très préjudiciable pour une éventuelle finale du Mali ou du Maroc. Voilà, c'est calmé. Vous savez que M. Sharaf était le quatrième arbitre de Tunisie-Sénégal et il a eu maille à partir lui aussi dernières minutes de ce match. Avec un certain Eladji Diouf qui sépare tout le monde. Qui d'ailleurs a pris 48 heures plus tard, 3 matchs de suspension. 3 matchs fermes. Attention. Toujours dans les airs Kanouté. Mais faute et ballon rendu à la défense marocaine. Vous avez aperçu le personnel de la CAF chargé de la presse. Très nettement, Kanouté le seul vrai danger pour les Marocains. Ah, monsieur Sharaf trouve que ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Attention au carton. Khalid Fouami est trop lent. Khalid Fouami qui n'a fait qu'une seule erreur lors de la troisième journée du premier tour. Oui, mais elle était cocasse. Hein. Ouais, il avait offert un but en fin de première période au Bafana Bafana. Ah, c'était un joli cadeau. Hein. Mais tranquillement, les Marocains étaient revenus 10 minutes plus tard au score sur un pénalty. Bah, ça prouve que le Maroc, en résumé, sur ce qu'il nous montre depuis le début du tournoi, et vous n'allez pas me contredire, Claude, c'est une force tranquille. Ah, c'est une force tranquille. Et alors, quand je relisais tous les papiers qui étaient écrits avant la CAN sur le Maroc, très très peu prévoyaient une équipe aussi sereine, aussi collective, et notamment aussi efficace en matière de défense. Diarra. C'est pas un match pour l'instant pour Frédéric Kanouté, hein, parce qu'on lui donne aucun bon ballon. Ah, il va aller chercher. Ousseini Diawara. Et on l'envoie encore au charbon, le pauvre Kanouté ou Dramane Traoré. L'arbitre le protège. Coup franc concédé par Noureddin Lebette. Qui a passé le cap des 100 sélections. C'est un petit peu loin sur le papier, mais attention, il a le vent dans le dos. On est à plus de 30 mètres des buts de Khalid Fouami. Trois pas d'élan, Sidibé largement au-dessus. Sans danger pour le gardien marocain. Donc presque 40 minutes, une bonne construction de jeu de la part du Maroc qui résiste bien, organise bien sa défense, maintient les Maliens suffisamment à distance pour que Kanouté n'ait pas de ballon favorable, malgré des efforts assez nouveaux de la part du Mali en termes d'attaque et d'enthousiasme dans la prise de ballon. Youssouf Hadji vers Regragui, que l'on a assez peu vu dans cette première période, tout simplement parce que le jeu marocain en attaque s'est essentiellement concentré côté gauche. Ah, puis peut-être que la présence d'Adji modifie les choses en attaque. Youssef Hadji. Thiam. Je ne sais pas si le réalisateur nous le montrera, mais il y a beaucoup de supporters tunisiens qui viennent manifestement encourager les Marocains. Je crois qu'une finale entre deux pays du Maghreb, ça serait inédit. Et je crois que ça plairait bien au public. Je crois tout simplement, Claude, que de façon très intelligente, les Tunisiens, après leur succès en demi-finale sur les Nigérians, les supporters tunisiens, on vient d'ouvrir les portes du stade. Et donc, on risque d'avoir une influence beaucoup plus importante en fin de rencontre qu'au coup d'envoi. C'est pas plus mal, on sera moins seul. Il reste 4 minutes de temps réglementaire dans cette première période, dominée par les Marocains, même si le ballon est malien. Daouda Koulibaly prend appui sur Dramane Traoré, retrouve Koulibaly. Il va falloir passer Regragui, c'est ce qui est fait, centre vers Kanouté, intervention de Nebet.
Alors vous disiez Frédéric dominé par les Marocains, c'est vrai, mais en même temps, il faudra voir en termes de possession du terrain, sans doute que les Maliens ont été plus souvent dans le camp marocain. Mais la capacité du Maroc à bien s'organiser en défense, à bien récupérer les ballons, fait la différence. Et bien se dégager aussi. Un duel entre Chamakh et Koulibaly, la touche sera marocaine. Eliane, l'ambiance change au bord du terrain, non ? Au bord du terrain, pas vraiment, mais dans les tribunes, oui, avec l'arrivée de supporters tunisiens. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'ambiance sera plus chaleureuse d'ici la fin de la rencontre. Agragui est resté à terre, légèrement touché aux adducteurs, à la cuisse droite. Ah, c'est pas simplement sur un coup, et ça sera aussi un des points d'interrogation de la deuxième période. C'est aussi un signe de fatigue. Et il faudra voir si les Marocains peuvent tenir 90 minutes. Ils ont joué 120 minutes face à l'Algérie. Ça a été difficile, notamment les 10 dernières minutes de la deuxième mi-temps. On ne se presse pas pour jouer cette touche. Pas beaucoup de mouvement autour du porteur du ballon. Bien que Hadji le perd. Diarra à gauche. Un peu plus d'espace sur la droite. Sami Traoré. Peut provoquer Sami Traoré. Mais préfère centrer. Changer de jeu. Vers Kanouté. Hors-jeu. Hors-jeu signalé par Monsieur Iso. Mais il est vrai que les Maliens jouent plus vite que lors de leur match précédent. Ils cherchent des solutions assez loin, mais vous avez vu là, bon, il y a toujours le risque de où il y a un hors-jeu ou alors une interception. Mais moi, ce qui m'étonne chez les Marocains, c'est qu'ils ne donnent pas beaucoup de balles approximatives, c'est des balles toujours qui sont étudiées, et j'en ai compté deux dans une première mi-temps. Ceci explique cela. Attention à ce ballon, justement perdu, rarement perdu au milieu de terrain. Dans le rond central, Koulibaly. Houssini Diawara. Que de difficultés pour progresser. Le duo Diarra Sidibé. Thiam. Les Marocains obligent les Maliens à balancer ces longs ballons vers Kanouté. Récupération de Wadouf. Youssef Safri. Akram Roumani. Nebet Roumani. Mokhtari. Koulibaly. Diarra. Sidibé. Traoré. Intervention de Roumani, c'est beaucoup trop stéréotypé. Mokhtari, El Yacoubi, la faute sur Mohamed El Yacoubi. Rapidement joué, ou plutôt l'arbitre a laissé jouer. Un 2 contre 3, Hadji Chamakh. Une 2 sollicitée par Hadji. Il a fallu que Thiam intervienne. Ah, le basket va très vite, va très vite. Il y aura 3 minutes de temps additionnel. Wadou est sorti de sa défense. Le ballon est toujours malien. Rond central, capitaine Diarra pour Koulibaly. Sami Traoré monte de plus souvent sur la droite. Kanouté. Roumani. Attention à ne pas descendre trop bas. À ne pas se croire déjà en vestiaire pour les Marocains. Ouais. Les Marocains ont beaucoup trop reculé. Beaucoup trop reculé, et tout à l'heure Zaki leur a fait signe qu'il ne fallait pas qu'ils reculent trop. Mais d'un coup ça laisse de l'espace. Mais, mais ont-ils les moyens physiques de ne pas reculer? Là est la question. Disons que la pause sera la bienvenue. Surtout s'il intervient sur ce score de 1-0 en faveur des Lions de l'Atlas. C'est un peu loin, mais il faut faire toujours très attention à ses coups. Elle peut être déviée aussi. Et elle peut être déviée, oui. Mais on est loin là quand même. On est parti peut-être pour une frappe de Sami Traoré. Non, c'est un jeu à 3 pour Sidibé, frappe contrée.
Koulibaly, pardon, pas contré. Oui, même Chama qui était venu défendre. Encore 1 minute 30. Thiam. C'est pas les loin, puisqu'il y avait sur la trajectoire Safri, Mokhtari et El Yacoubi. Chama qui est au centre. El Yacoubi va emmener ce ballon intelligemment dans l'angle mort et le garder, gagner du temps. C'est dommage, la première intention était la bonne. Regardez comment Kanouté est obligé de redescendre pour chercher ses ballons. Il s'emploie beaucoup plus qu'à l'habitude. Hein. Il va chercher les ballons très loin. Il faut dire que les Marocains ne lui ne laissent pas un moment de répit. Hadji. Regragui. Hadji. Il va pouvoir centrer vers Chamakh. Deuxième poteau. Chamakh était tout seul, il n'y avait personne au deuxième poteau. Sami Traoré encore bien sorti, Roumanie bien passé devant son attaquant. Roumanie a une capacité à anticiper très souvent les ballons et ce qui fait qu'il en récupère beaucoup. 20 petites secondes à tenir. Ouadou. Diawara, dernière attaque malienne. Diara, toujours pour Kanouté. Mais c'est vraiment rendre le ballon à la défense adverse. Très bien. On a senti beaucoup de frustration dans ce regard de Frédéric Kanouté. Il ne va certainement pas marquer cette fois-ci dans le temps additionnel. Ou du moins cette première période. Parce qu'à notre chronomètre, c'est terminé. Et également à celui de monsieur Charaf Abou Aboukar. Et bien voilà, il n'y aura même pas de temps additionnel. L'impression peut-être que Eliane pourra peut-être avoir une impression à la mi-temps alors qu'il rentre, je ne sais pas si ça sera possible. L'impression quand même c'est que le Maroc a fort bien joué le coup, a mis un joli but sur un coup qui est arrêté, mais a fort bien joué le coup ensuite en gardant le ballon, en s'organisant parfaitement bien, non seulement au milieu de terrain mais surtout en défense, là où c'est son point fort. Encore de moins pour récupérer, mais pour l'instant ça va bien pour le Maroc. C'est parti pour les dernières 45 minutes, voire plus s'il y a des prolongations. En jeu, une place en finale à Rades face à la Tunisie. Regragui, il a passé Koulibaly. Peut lancer Hadji. Thiam. Diara. Koulibaly, Souleymane. Retrouve Diara dans le rond central. Poursuivi par Safri. Face à la Touré est rentré. Le changement a été effectué à la mi-temps. Et donc il a bien remplacé Daouda Koulibaly. Par contre, il y a un petit changement de position sur les milieux de terrain excentrés. Puisque, attention à ce centre. Regragui qui est devancé. Remise de Diawara. Ballon pour Regragui. Ballon qui n'est pas sorti. Diara va le chercher. Oui, petit changement puisque Koulibaly va passer à gauche et Bassala Touré rentre à droite en milieu de terrain. Alors de nouveau l'impression d'une équipe marocaine ballon qui se retrouve totalement. La route coupée par Ouadou, Regragui. Diawara. Kessi. Directement sur Thiam. Hadji. Et on assiste déjà en ce début de deuxième période à des duels assez musclés, Claude. Ah, les Maliens ne veulent rien lâcher. Ils sont très haut. Ils sont placés très haut. Il reste seul Chamakh et de l'autre côté malien. Mais pour le reste, toute l'équipe marocaine est regroupé en défense avec un milieu qui ne veut rien céder. Ce qui fait que les Maliens se retrouvent avec la même équation à résoudre que lors de la première mi-temps. Une petite faute de Mohamed El Yacoubi. Kostasuna ne veut pas lécher, ne veut pas laisser. Parce qu'il a joué aussi à Lecce. Oui, et puis. Et on a pourtant fait une proposition de près de 4 millions d'euros pour ce garçon. Voilà, monsieur Charaf qui est. Maintient très précisément. Kanouté, tir contré. Corner.
ce sera le premier corner de cette deuxième période en faveur des Maliens. Il a tiré Bassala Touré. Au point de pénalty, il s'est légèrement appuyé Adama Koulibaly. Tous les Marocains étaient en défense. C'est le jeu qu'ils ont pratiqué constamment depuis le début de cette CAN et ça leur réussit. Et sans doute que c'est cela qui est à l'origine du succès de l'équipe du Maroc. C'est cet esprit collectif, cette abnégation qu'ont tous les joueurs. Chamakh Berhadji qui souhaitait s'emmener le ballon de la tête. Qu'est-ce qu'il ressemble à son grand-père, Mustapha? Ce qui est un peu normal, hein, remarquez. Mustapha qui vient de signer, quatrième recrue de l'Espagnol de Barcelone, il y a quelques heures, signé par Luis Fernandez. C'est Luis Fernandez, ça aidera peut-être ce club en difficulté. Attention, ballon pour El Yacoubi. Oh, et encore une faute de concentration de la défense malienne et de Sami Traoré. Et ce garçon sait que sur une entrée de touche, il n'y a pas de hors-jeu. Fred, ici, les ramasseurs de balles traînent un peu les pieds déjà. Pourtant, ils sont tunisiens, Eliane. Ils sont pas marocains. J'ai rien dit. Mètres effectué par Sidibé pour la tête de Diarra, avancé Souleyman Koulibaly, sollicite le 1-2, retrouve ce ballon donné par Dramane Traoré. Il y a une petite poussette sur le joueur malien, inutile. Oui, car il avait déjà perdu le ballon. On constate que les Marocains font beaucoup de fautes depuis le début de la mi-temps. Ah, d'ailleurs, si on regarde les chiffres de la première période, au nombre de fautes, deux fois plus de fautes effectuées par les Marocains que par les Maliens. Ce qui est assez normal, hein, compte tenu de la tactique utilisée par les Marocains de jouer beaucoup en arrière et d'attendre, hein, de les voir venir. Attention à ce coup franc. Toujours au ballon. Un joueur frais passe à la tour et au point de pénalty. Oh. Non, pour la tête de Thiam, monté. Mais Thiam là était quasiment en arrière, on le voit qu'il prend, ouais, la tête, mais il a le corps complètement en arrière et donc le ballon est à peine effleuré. Et c'est d'ailleurs un petit peu à l'image du problème rencontré par les Maliens, trouver du mouvement, trouver de la mobilité. Ils sont trop statiques. Diarra, Thiam, Sidibé. Il récupère quand même beaucoup de balles, hein, beaucoup de balles. Là. Face à la Touré, Sami Traoré. Face à lui, Sarpri, venu lui bloquer le couloir avec l'aide de Romani. Il est complètement esselé, Sami Traoré. Ce qui est très curieux, c'est qu'aucun ne vient aider Traoré sur son aile. La mobilité, c'est pour les joueurs, mais c'est également autour du porteur du ballon. Alors du coup, les phases de jeu sont statiques en attaque, comme ce coup franc effectué par Souleyman Koulibaly. Hadji Seba. Non, il est en jeu. Wadou, c'est pas terminé. Dramane Traoré, le ballon ne lui parviendra pas. Youssef Hadji avec Chamakh. Hadji, Regragui, Chamakh, toujours le jeu à 3 en une touche. Ne me dites pas que c'est pas pareil à l'entraînement, ça. Et il joue à plat. Wadou. Ouais, si les Maliens ne vont pas chercher. Vous savez qu'une telle phase de jeu, non seulement c'est beau à voir, mais en plus ça donne confiance, Dominique Colonna. Absolument, et puis ça les repose, ce que je disais au début. Et malheureusement, bon, on peut pas en faire trop, mais enfin c'est toujours ça de gagner. Oui, car ce n'est pas le joueur qui court, mais c'est le ballon. C'est le ballon. Sidibé vers Traoré. Koulibaly. Traoré, on recule. Thiam.
le duel Ouadou-Kanouté. Encore remporté par le défenseur de Rennes qui pourrait reprendre la direction de Koulam, n'est-ce pas Claude? Alors ce qui est un petit peu étonnant, c'est que semble-t-il les Marocains ont décroché, l'équipe marocaine a décroché, elle joue moins haut, c'est un petit peu replié, elle se contente de gérer, d'être de calmer le jeu, d'utiliser effectivement la passe à 3 comme vous dites comme un entraînement pour essayer de conserver la maîtrise, mais c'est un peu plus en arrière. C'est peut-être effectivement Dominique un petit peu tôt pour le faire. On verra. Touche obtenue par Mokhtari, le buteur. Son premier but pour cette phase finale de CAN, mais pas n'importe lequel. El Yacoubi s'est rendu disponible. Et quand ils perdent le ballon, vous voyez, c'est très très loin de leur but. Donc ils ont le temps de se replacer. Sami Traoré, le Niçois. Et Kanouté, une nouvelle fois, obligé de revenir dans son camp pour perdre ce ballon. Youssef Hadji. Mokhtari. Safri. El Yacoubi. Safri change le jeu. Mauvaise passe directement sur Koulibaly. Diawara. Regragui. Hadji, Regragui. Oui, et comme Zahiri qui est malade et qui donc ne figure pas dans cette équipe alors qu'on pouvait l'attendre après son formidable match face à l'Algérie, manque beaucoup à cette équipe marocaine parce qu'il allait chercher des ballons, il impulsait un dynamisme dans l'attaque marocaine qui manque un peu là parce que Hadji s'agite beaucoup souvent tout seul. Même quand on est petit, on peut chercher le ballon de la tête, c'est ce qu'a prouvé Safri. Et c'est un nouveau corner. Pour le Mali, le deuxième dans cette deuxième mi-temps. Je vais peut-être me répéter et reprendre ce que disait Dominique Colonna, mais ça me semble un petit peu tôt comme tactique de recul et d'attente de la part du Maroc. C'est dangereux ce genre de choses. Attention, ce ballon repris par Koulibaly monté en attaque. Fred, un changement sur le bas. Côté marocain. Il va sans doute écouter Claude Badouzaki, il va faire entrer du 109. C'était donc Thiam qui était venu mettre son coup de tête. Déjà le double rideau défensif marocain est en place. Sidibé va essayer de le contourner par la droite avec Bassala Touré. Face à lui Mokhtari. Ne gagne pas beaucoup de duels les Maliens. Même s'il obtient ici la faute. Mais c'est vraiment intéressant de voir que petit à petit le Mali presse le Maroc recule et fait beaucoup de fautes depuis le début de cette deuxième mi-temps. Beaucoup de fautes. Alors est-ce que c'est déjà l'effet de la fatigue du match précédent? Est-ce que c'est un choix tactique? On va le voir avec le remplacement. Est-ce que Badouzaki va faire entrer un défenseur? Mais tout cela modifierait sans doute la physionomie du match. Il y a aussi le souci de garder le résultat. La frappe de Koulibaly qui était en réalité une passe pour le gardien adverse. Khalid Kouami en l'occurrence. Toujours cette volonté de conserver le ballon, donc relance à la main vers Regragui. Qui le donne finalement à Diawara. Qui a fait courir une grosse frayeur sur le banc malien. Le petit Kessi avec Hadji, poursuivi par Diarra. Oui. Kessi Safri. El Yacoubi. Safri. Hadji. Mokhtari, son pied gauche. Le pied gauche de Mokhtari. Extraordinaire but de Mokhtari. Le but du Brest. De celui qui sera peut-être comme du match. Celui qui va peut-être propulser le Maroc en finale. Complètement arrêté. Mokhtari.
match en main, mais sur un attentisme de la défense malienne. Ils ont laissé venir, ils ont attendu, ils n'y ont pas cru à ce tir de Mokhtari. Et puis le gardien Sidibé était peut-être un peu masqué, il n'a pas pu se détendre convenablement. Ce qui fait que le Maroc mène maintenant 2-0. Et ça va leur donner de quoi voir venir avec un changement. C'est Chiab qui rentre et qui va remplacer Yagoubi, qui était effectivement, qui traînait la jambe depuis un moment, qui n'avait plus le rendement de la première mi-temps, mais Dieu sait s'il a été en situation pendant 45 minutes. Les Maliens doivent être déçus dans l'équipe malienne, car ils avaient, semble-t-il, petit à petit fait reculer l'équipe marocaine. Il reste encore une grosse demi-heure pour que les Aigles du Mali n'échouent pas en demi-finale, comme en 94, ici même il y a 10 ans en Tunisie, et surtout comme il y a 2 ans chez eux au Mali. Et ça fait 11 buts pour le Maroc, 11 buts et 2 encaissés. Deux buts de Mokhtari, Kanouté, qui essaye d'imposer sa puissance dans la surface, bien maîtrisé pour l'instant Frédéric Kanouté. Le ballon sera malien. Touche rapidement joué avec Diawara. Encore vers Frédéric Kanouté. La tête de Kanouté. Envolée de Fouami. Je crois que le ballon sortait, mais la prise de balle est parfaite de la part de Fouami. Ça me rappelle mon vieux temps. Bon, bah alors c'est bon signe. Non, il sortait pas. Non, il sortait pas. Écoutez bien. C'est le moment de rappeler que Dominique a été le gardien du Stade français et du Stade de Reims et de l'équipe de France. Et il en a fait rêver des générations. Et également l'entraîneur pendant 10 ans de la sélection du Cameroun. Ah, c'est quand même la marque des grandes équipes de savoir se laisser dominer pendant un petit moment, de donner l'impression de reculer beaucoup et puis tout d'un coup, sur un moment anodin de football, de placer un joli tir. Et vous avez vu, l'attaque s'est effectuée à 4, hein, ça n'a pas été une attaque solitaire. Vous voyez qu'Henri Stambouli voit le match comme nous, puisqu'il c'est effectue les changements qui remplace Sidibé, voilà, que nous avions pressenti. Il en faudra beaucoup de talent à Cédric Keïta. Là, il n'y a plus de questions à se poser. Il faut prendre un maximum de risques et surtout essayer de marquer le plus rapidement possible pour garder l'espoir. Donc les Maliens vont jouer avec un seul milieu défensif, leur capitaine Diarra. Et trois milieux offensifs derrière leurs deux attaquants. Diarra, justement, c'est pour la tête de Neybet. Neybet qui retrouve ce ballon, le contrôle, le dégage. Thiam qui met Traoré en difficulté. Ce qui est quand même formidable, c'est que les Marocains ne semblent à aucun moment affolés. Et là, ils sont encore en supériorité numérique. Il n'y a que deux Maliens en attaque. Oui, c'est ce qu'on avait. D'ailleurs, Claude, vous avez raison de le noter. C'est ce qu'on avait remarqué face au Nigeria. Et c'est ce qui également avait prévalu lors du quart de finale face à l'Algérie. Il ne restait que 10 minutes à jouer. Et les Marocains remontaient le ballon très tranquillement. Nice. Jawad et Naïbé, semble-t-il, pris un carton jaune. Faire attention à ces cartons. Et si le Maroc va en finale et si les bêtes ne prend pas d'autres cartons, il sera de la fête. C'est bon. Qui aurait pu prévoir que la Tunisie rencontrerait le Maroc? Pour l'instant, c'est l'affiche, mais c'est provisoire. Non. Toujours Koulibaly. Et toujours au-dessus. On va revoir le deuxième joyau de Mokhtari, Dominique Colonna. Mais c'est très étonnant comme il n'est pas attaqué. Personne ne va vers lui. Le gardien met quand même du temps à se toucher. Même si le tir est vicieux, puisque le rebond est parfaitement placé. Juste devant la main du gardien. Elle est surtout bien croisée. Oh, ils sont plus en confiance, les Maliens, là. Ils sont plus en confiance. Non, absolument. Mokhtari, le double buteur. Le meilleur buteur de sa formation maintenant, avec deux buts, au même titre Kadji ou que Chamakh.
s'est enfermé volontairement. C'est d'ailleurs bien symbolique de voir que sur 11 buts, ils sont plusieurs à avoir mis des buts. C'est tout l'esprit collectif de l'équipe marocaine. S'est enfermé volontairement Abdel Kaissi pour déjà gagner un petit peu de temps. Et toujours emmener le ballon dans les angles morts. Ah, on va avoir une belle partie d'échecs sur cette dernière demi-heure. Keïta. Bassala Touré. Koulibaly. Keïta et son pied gauche. Directement sur Agragui. Ramane Traoré. Ousseini Diawara. Koulibaly, Traoré, Kanouté. Le 1-2 n'a pas fonctionné. Ballon toujours malien. Keïta, Kanouté, Traoré. Ouais, mais si Traoré sent que Kanouté ne soit là, ce n'est pas forcément une bonne solution pour les aigles du Mali. Ouadou, Hadji lancé. Kam, Koulibaly. On ne sent pas le vent de la révolte, Claude. Non, mais ils sont dans la crainte d'un contre, ils sont dans la crainte d'une organisation de défense qui marocaine qui permet au milieu marocain de récupérer beaucoup de ballons et ainsi de mettre en danger cette défense malienne qui quand même a montré quelques faiblesses. Diarra. Et c'est un corner. Obtient ce corner. Au nombre de corner, le Mali est passé devant. Le ballon n'était pas exactement là où il fallait qu'il soit. Premier poteau, Bassala Touré demande une déviation d'un de ses attaquants. Regragui intervient avec Hadji. Chamac. Ils sont 11 dans leurs 30 mètres, les Marocains. Ah oui, il n'y avait pas un attaquant. Hein. Le marathonien, Regragui, va attendre du soutien. L'obtient avec Hadji. Kaissi. Regragui. Quelle maturité pour un groupe qui est relativement récent, avec des joueurs jeunes. Quelle maturité mise en place par Zaki. Finalement, ce n'est pas un désavantage d'avoir un joueur qui pèse sur une équipe. Comme le Mali à Kanouté, on recherche toujours Kanouté. Les autres, ils n'ont pas un joueur exceptionnel, ils ont de très bons joueurs. Ça fait qu'ils sont, je dirais presque, forcés de jouer collectivement. Je vais appeler cela, Dominique Colonna, la Kanouté dépendance. Il n'y a pas que lui, on a vu au Sénégal Diouf, on a vu au Cameroun Eto. On le constate bien d'ailleurs, très souvent la dernière passe malienne échoue. Il y a peut-être moins d'envie collective que d'envie d'exploit personnel. Alors que le Maroc joue avant tout avec cette envie de passer, de distribuer des ballons. Regardez. Hadji n'est pas hors jeu, il passe devant Diarra, va pouvoir centrer, non. Il ne jette pas un ballon. Il ne donne pas un ballon approximatif. Tous les ballons sont calculés. Très bien défendu de la part du capitaine malien sur ce coup-là. Défendu debout. A utilisé son corps pour empêcher Hadji de centrer. Mais le temps tourne en faveur des Marocains. Ramane Traoré va se battre pour essayer de récupérer ce ballon qui est toujours dans les pieds de Regragui. Traoré fait faute. Amam Abdou Diarra, beaucoup de mal. Beaucoup de mal au sein de cette équipe malienne. Entrée de Youad. À la place de Regragui qui boit quelques feux. Regragui qui doit être fatigué. Et il faut maintenant pour Zaki envisager une participation à la finale. Et il doit donc économiser certains joueurs. Et Regragui est essentiel dans le dispositif. Il va faire rentrer qui, Duad, hein. Duad, qui est un milieu de terrain, qui évolue en Bulgarie. Chamac en retrait. Mokhtari pour un trick éventuel, non. Là, il a été... Ouais.
Il s'est enfermé sur Diawara. On va attendre encore un petit peu pour le coup du chapeau, même si on leur tire notre chapeau marocain. Ils mènent 2-0. Il reste 23 minutes à jouer. Le ballon dans les pieds. Tout est possible encore. Hein. Tout Kanouté. Est possible. Sami Traoré, bloqué par l'excellent Akram Roumanik. Et lorsque vous avez des personnalités aussi fortes que Kanouté, tout est possible. Il faut, faire très attention dans nos commentaires parce qu'on pourrait être très surpris. Hein. La touche de Traoré, c'était pour Diarra. Finalement, Dramane Traoré. Face à la Touré, Traoré. Ouh, tacle énergique de Youad. Et ah, c'est joli ça. Vous aimez les ailes de pigeon de Dramane Traoré? J'aime bien, oui. Youssef Hadji, c'est pas mal non plus. C'est du joli jeu, Dominique. Ils ne perdent pas de ballon. Si j'étais passéiste, je dirais qu'ils jouent à la Rémoise. Ah. Mais je ne suis pas passéiste. C'est vrai qu'il n'y a pas de ballon perdu, qu'ils font très attention à cela. Accroché par le maillot, face à la Touré. Je crois que M. Charaf n'aime pas beaucoup ce genre de choses. Non, non. Il y a un changement. Un changement au Mali. Avec la rentrée du 21. Namari Traoré. Traoré, il joue à Grenoble. C'est un défenseur, c'est un remplacement poste pour poste. En place Diawara de Laval. Qui a été formé d'ailleurs, Diawara, qui avait été formé chez les Verts, à la Saint-Etienne, je crois. Alors que Namari Traoré, lui, évolue à Grenoble. Jeu à 3 pour Koulibaly qui va armer sa frappe du gauche. Frappe écrasée. Oh, oh, c'est pas terminé avec Kouami qui intervient à terre. C'était Koulibaly qui avait inquiété le gardien marocain. Quel bon réflexe. Quel réflexe, quel réflexe. Il a mis la main juste comme il le fallait, bien démarqué. Et bien les. C'est Keïta, c'est d'où Keïta. Il faut de la chance pour un grand gardien, Dominique Colonna. Absolument. Parade exceptionnelle de Fouami sur le tir du Lensois. Surtout pour un gardien qui n'avait pas joué en club au Portugal depuis octobre. Diarra, le capitaine. Reconnaissons au Mali de tenter. Hein. Ils tentent beaucoup de choses, ils essayent. Passé, mais se heurte à une organisation marocaine assez étonnante. Voilà. Madiara a été pour le moins vif. Il s'en sort bien, sans carton. Il s'en sort bien, sans carton. Ouais. 19 minutes pour marquer deux buts. Mokhtari directement sur Sidibé. Sami Traoré passe à la Touré. Il faut accélérer le jeu. Le Lyonnais Diarra, Kanouté, faute sur Koulibaly. Vous observerez que les Marocains, quand ils font faute, ils le font le plus loin possible de la surface. Absolument. De réparation. Là, ils jouent. Koulibaly Diarra, Keïta. Ah. Premier ballon pour Namari Traoré. C'est quand même assez étonnant ce changement effectué par Henri Stambouli. L'arrêt réflexe de Fouami, il lui a fallu de la chance, vraiment beaucoup de chance. Regardez bien là, comment il place sa main et c'est un peu en désespéré. Bon. Pour revenir sur ce changement entre Diawara et Traoré, il faut savoir que Diawara est un latéral beaucoup plus offensif que Traoré et qui est plutôt un joueur de marquage. On va voir ce que ça va donner sur le côté gauche. Mais Stambouli a fait beaucoup de changements depuis le début de la CAN, non? Oh, c'est ce qu'il faisait déjà avec Sedan.
Il a peut-être été inspiré dans ses jeunes années par les mouvements incessants de l'Ajax, le mouvement perpétuel. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça a toujours été sa stratégie. Que ce soit à Sion, à Sedan, et quand il était entraîneur adjoint à l'OM. L'image est significative. Les défenseurs marocains laissent très peu d'espace aux attaquants maliens. Ils ont une capacité à se resserrer, à avoir une défense très compacte par moment, qui effectivement doit gêner considérablement Kanouté et ses camarades. Ah, le pressing, il ne le fait que tout seul. Souleymane Koulibaly. Vous voyez, quand il y a vent de révolte, elle est individuelle, mais jamais collective. Et les ballons reviennent tardivement. Arbitrage impeccable de M. Charaf. C'est vrai. Claude, vous savez que Charaf, il est sifflet d'or ivoirien, donc le meilleur arbitre ivoirien donc de l'année. Ah, ça permet aux éléphants d'être présents à la CAN quand même, alors. Oui, on va revenir là-dessus, mais c'est vrai que c'est une belle présence, une belle prestation de Aboubakar Charaf, qui est informaticien. Monsieur Charaf Aboubakar, qui laisse toujours le jeu jouer, ce qui est pour nous très agréable. Ah, puis c'est normal qu'une Ivoirienne défende, elle a bien raison, un arbitre ivoirien. N'est-ce pas, Eliane? Fred, de défendre, mais écoutez, non, je suis objective, je le pense. Vous n'avez pas besoin de le défendre, il est excellent. Merci pour lui et pour la Côte d'Ivoire. Et pendant ce temps-là, les Maliens cherchent une solution. Ils sont très embarrassés. Il y a à la fois du marquage individuel, c'est une pas défense qui est remarquable, et puis c'est pas le bon pied de Koulibaly. Et puis un peu de chance pour les Marocains avec cet arrêt d'effet tout à l'heure de Fouami qui aurait fort bien pu être un but. Sami Traoré. Mamadou Diarra, il est accroché. Voilà un bon coup franc. Un coup franc qui a été cherché, hein. Il est venu le chercher son coup franc Diarra. Hein. Ah, il gagne un petit mètre en plus. On le repère, on le regagne. Et l'arbitre. C'est peut-être aussi le moment de changer de tireur. Pour l'instant, Koulibaly n'est pas trop en réussite. Fouami place sa défense. Belle autorité de ce gardien, hein, quand même. Depuis le début, il n'a encaissé que deux buts. Depuis le début de la CAN. Je pense que c'est Diarra qui va le tenter. C'est ça, mais c'est directement dans le mur. Contré par le double buteur, Mokhtari, Wadou. Les Maliens continuent de penser qu'avec des coups de pied arrêtés ou des coups de pied de corner, compte tenu de la dimension athlétique de leurs joueurs, ils peuvent passer. Mais pour l'instant, ils sont en échec. Absolument. Safri vers Chamat. Thiam. Amari Traoré. Frédéric Kanouté. Traoré. Encore 14 minutes. Henri Kanouté. Ne tergiverse pas, hein, côté marocain. On fait la faute le plus loin possible, on dégage, on est très présent, très serein. Et cette impression-là, c'est depuis le début de leur participation à cette phase finale de la CAN. Tous les corners de la deuxième période, c'est le cinquième pour le Mali. Sont tirés par le même homme, Bassala Touré, toujours au premier poteau, les Marocains l'ont bien compris. Oui, plus rapide, Chamac. Koulibaly, surpris ici. Encore et toujours la tête des attaquants maliens. C'est une partie, Dominique Colonna, de gagne terrain. Oui,
les Marocains sentent que la fin approche et maintenant c'est un peu à l'emporte-pièce, mais c'est pour eux c'est du temps gagné. Mais l'interrogation vient du dispositif malien quand même, qui n'a pas l'air de vouloir vraiment travailler avec des passes, ils ont avec mieux une distribution du jeu. C'est vrai. Ils ont mieux progressé qu'en première mi-temps, ils ont amené le ballon, mais les Marocains reviennent plus vite qu'eux, ils progressent avec le ballon. Alors ça fait que les espaces, il n'y en a plus et c'est trop tard. Ou alors c'est des ballons comme on voit là, au petit bonheur de la chance. Alors on a noté, quand on est possesseur du ballon, le jeu à 3 des Marocains, mais il faudra aussi regarder les prises à 2. Il y a beaucoup de nos auditeurs qui sont fans de NBA, de basket, là où on joue l'individuel, et ils ne peuvent pas passer sur les côtés, car chaque attaquant malien est pris par deux défenseurs marocains. Donc quand on a le ballon, on attaque à 3, et quand on défend toujours à 2. C'est remarquable. Très symbolique. Les Maliens avaient le ballon, ils l'ont perdu, et les Marocains le gardent, et font plusieurs passes, travaillent beaucoup collectivement. Tacle de Thiam sur Safri. Il est seul Kanouté, il aura du mal à faire la différence, même s'il a déséquilibré Chihab. Mehmet est venu en bon capitaine expérimenté rechercher ce ballon. Et il donne la balle. Il la perd pas, il la donne. Ils n'ont toujours pas perdu, regardez. Il est au centre. Il est tout seul. Il va attendre. Chamac. Centre. C'est le plus beau but de la CAN. Et le but d'Adji. Très beau but. Vous vous rendez compte, Kanouté avait le ballon. Les défenseurs marocains l'ont récupéré, l'ont sorti de leur ligne de but et l'ont passé. Et c'est Adji qui termine. Ça y est, c'est fini. Fabuleux. Sauf coup de théâtre improbable. Le Maroc est en finale. Le Maroc est en finale. Vous avez vu l'intelligence de Mokhtari. L'intelligence, il aurait pu tenter le tout seul. Il a vu Adji arriver. Et lui passe, il lui dépose le ballon. Comment remonter un terrain de football en une ou deux passes et mettre déjà les bras, regardez, les Marocains lèvent déjà les bras. Et mettre en moins de 8 secondes, Claude, toute une équipe à terre. C'est ça la leçon. On est parti de la ligne de but de Fouami. Et en une ou deux passes, avec 5 joueurs en moins de 8 secondes, on a marqué ce troisième but qui est sans doute, il ne reste que 10 minutes à jouer, qui est sans doute le but qui va propulser les Marocains en finale. Et je crois que Dominique Colonna a raison, c'est sans doute, si ce n'est le plus beau but, l'un des plus beaux buts de la CAN, car un but collectif, parfait, intelligent dans la vision de jeu. Et du coup, Adji devient le meilleur buteur de son équipe, mais ça c'est presque anecdotique. Alors, on souhaite quand même pour les Maliens, parce qu'ils ont... C'est la correction. Mais c'est aussi le résultat d'un travail collectif, d'une envie de jouer au football, de bien jouer au football. De ne pas perdre le ballon. De maîtriser le jeu, quoi, sans arrêt. On souhaite quand même pour les Maliens qui repartent du stade olympique de Sousse, peut-être avec un petit quelque chose. Car si ce n'était certainement pas le meilleur visage du Mali ce soir, ils ont, Claude, toujours essayé. Ils ont tenté sur le banc en faisant des changements en deuxième période. Et puis individuellement, ils ont essayé de provoquer aussi les Marocains. Mais il n'y a pas doute, le Maroc était plus fort ce soir. Ah oui, 3-0, Eliane, au bord du terrain, ça doit être le délire. Mais écoutez, les photographes marocains étaient très heureux. Et la désillusion et la désolation se lisaient sur le visage des gardiens Sidibé. Et Sami Traoré est resté 30 secondes couché. Il ne savait pas quoi faire, mais il faut qu'il en fasse des scoops pour jouer. Allez, il s'agit de sauver l'honneur pour les Maliens. Encore qu'il reste 9 minutes, 10 minutes peut-être avec un temps additionnel. Un centre aveugle de Traoré pour la tête de Wadou qui se permet, avec beaucoup de sang-froid, de donner à l'excellent Fouami. Et comme quoi l'importance de la parade de Fouami. Ça donne confiance à une défense. Ils ont sans arrêt été en confiance. À aucun moment ils n'ont semblé douter. 2-1 ou 3-0, c'est pas la même musique. Et Gara. Kanouté. Oh, c'est sans conviction. Même main. Si il va, oui, il a provoqué la main de Wadou. Le Maroc avait passé 4 buts au Bénin. Peut-être ont-ils envie de faire la même chose. Ça serait un exploit dans une demi-finale de la CAN. Et face
une équipe, belle équipe malienne quand même, qui a terminé en tête de son groupe. Bassala, Touré, très très en retrait, trop en retrait pour Koulibaly qui marche sur le ballon, mais le garde tout de même. Bassala, Touré, il n'y a pas de hors-jeu. Oh, mais il n'y a pas de malien au centre. Kouami peut intervenir devant Kanouté. Wadou, Mokhtari, Hadji, accélération marocaine. Il n'y a que trois défenseurs et les Maliens reviennent très vite. Chamakh va se faire plaisir et provoquer la défense. Tombe sur Sami Traoré. Hadji, Roumani, Hadji. Ah, ils savent gérer leur match. Hein. Avec un peu de fatigue. Rahman Traoré va emmener ce ballon vers Koulibaly. Mais ils sont déjà tous en place. C'est Sédou Keïta qui est rentré dans un contexte bien difficile. Vous savez, on était allé passer deux bonnes heures hier à l'hôtel avec les Maliens qui avaient pris la place des Camerounais, repartis au pays ou dans leur club respectif. Et on avait trouvé Kanouté et les siens presque trop décontractés, presque trop tranquilles, presque trop sûrs d'eux-mêmes. Ah, c'est la meilleure attaque, c'est la meilleure défense. Pour l'instant, le Maroc, c'est un plan parfait. Et s'il y a deux ans au Mali, c'était une finale 100% Afrique noire entre le Cameroun et le Sénégal, c'est la revanche des pays du Maghreb. Absolument. Ce n'est pas une mauvaise chose. Et alors, je ne voudrais pas tirer de planque pour la comète, mais tout ça, c'est très bon pour la candidature du Maroc pour organiser la Coupe du Monde. En plus, c'est un petit plus. Même si le favori reste l'Afrique du Sud. Impeccable Fouami quand même. À part sa petite erreur face à l'Afrique du Sud, il fait un parcours formidable de gardien de but. C'est et vrai. Dieu sait si on a eu des erreurs de gardien de but dans la CAN. Mais Fouami, sur ce match ou sur le match face à l'Algérie, a été formidable. Régulier. 5 minutes à jouer, plus le temps additionnel. C'est bonne touche marocaine à deux buts. Et les Marocains qui assurent toujours le spectacle. L'un des dirigeants de la fédération marocaine me disait, vous voyez, ça sert à quoi d'aller chercher des entraîneurs en Europe ou ailleurs, des gens très titrés. Nous, on a fait un choix différent et on en est très content. Diarra, accroché Diarra. C'est d'ailleurs une bonne CAN pour tous les pays du Maghreb, dont la Tunisie, le Maroc en finale. La rentrée de Nabil Baha qui va remplacer Hadji, qui a beaucoup donné, qui a mis un joli but servi par Mokhtari. Le plus efficace des Marocains, Hadji qui sort. Nabil Baha qui joue au Portugal dans un club de deuxième division, Naval de Maio. Diarra toujours vers Kanouté ou Thiam. Éviter le corner pour Wadou. Oui, pourquoi c'est une bonne CAN? Parce que la Tunisie, le Maroc en finale pour les pays du Maghreb. Et puis pour l'Algérie, un quart de finale. Et surtout l'élection au titre de vice-président de la CAF de leur président Raoua Ouah. C'est un bon cycle, on va dire. Il y a quelques tacles un peu appuyés, mais c'est sans doute le lot de toutes les fins de match. D'un côté, on n'y croit plus beaucoup. Et de l'autre, on est sans doute épuisé par les 120 minutes précédentes du quart de finale, par ce match qui a été intense, joli match. Et puis 3 buts, ça fait toujours du bien dans un match de football. Hein, absolument. Et même puis si ça but, fait de la surtout peine, le troisième. Même si ça fait de la peine à un ancien gardien de but, mais ça fait du bien. Non, mais ce troisième, il a été magnifique dans sa conception. Ouais. Ah, puis du côté du Maroc, on va... Après avoir fait la fête et célébré cette victoire en demi-finale, on va commencer à repenser à l'épopée de 76 et la seule victoire du Maroc en championnat d'Afrique des Nations. Ah, je pense que dans les rues de Gaza ou de Rabat, ça va chanter. Ah. Il n'y a pas eu beaucoup de cartons jaunes. Hein. Non. Je crois que ça vient de l'arbitre.
L'arbitre a été très présent à chaque fois et a imposé une autorité. Et ce petit homme, c'est le mot exact, est très présent partout. Et puis il faut aussi signaler le courage avant le début de cette CAN de Badouzakic qui a osé mettre les grands joueurs marocains de la Coupe du Monde 98. Bah, je pense au grand frère de Youssef, je pense à Adji qui vient de signer à Barcelone, je pense à Chipo, je pense à tous ces joueurs-là. Il a su imposer cette nouvelle génération, c'était un pari, il l'a gagné. Bravo. Le Mali pour un coup franc bien placé, légèrement décalé. Il reste peut-être 2 ou 3 minutes à jouer. Il y a eu peu d'arrêts de jeu, donc on va voir le temps additionnel. Alors Koulibaly va-t-il pouvoir se racheter de ses nombreux coups francs envolés au-dessus de la barre adverse? Elle était bien partie, dégagé par Mourad Youad. Là, il y a eu un petit moment de chaud là. Pour une fois, il a réussi à tendre sa frappe. C'est encore Fouami qui est à la parade. Un nouveau corner pour le Mali. Toujours Bassala Touré, toujours premier poteau. Diarra. Il se bat Diarra, mais ça ne donne rien. Si ce n'est qu'il fait faute. Il n'y a pas de raison de faire dégénérer cette rencontre. Non, qui a été plutôt calme et plutôt très fair play un petit peu partout. Et puis je crois que maintenant il n'y a plus photo. C'est certainement le match le plus clair qu'on ait vu. Et voilà le stade de Sousse qui est largement rempli maintenant par notamment des supporters tunisiens. Qui sont peut-être pas mécontents justement de pouvoir rencontrer le Maroc. Et quelle belle façon de fêter ses 34 ans pour Monsieur Nebet. Vous vous rendez compte, 5e CAN et il va aller en finale. Énormissime. 3 minutes de temps additionnel. Voilà, je ne m'étais pas trop trompé, 2-3 minutes. 3 minutes à jouer. Alors si aujourd'hui en Tunisie pour la demi-finale les usines étaient fermées, ça sera également le cas au Maroc pour la finale. Ici à Sousse pour l'instant les supporters marocains sont debout partout, ils y croient. Et à nouveau, regardez le ballon. Regardez Chamakh. Le Bordelais qui la donne. Mokhtari. C'est Nabil Bahar qui l'a mis comme à l'arrêt. Chamakh a pris son temps, a vu que Nabil Bahar était avancé et Nabil Bahar a pris. Parfait, joli tir, bien armé. Sidibé n'a pas vraiment bougé. Alors il en veut à sa défense, mais regardez. Non, lui aussi il n'est pas. Il n'est pas très net. Il n'est pas très net, il n'est même pas net du tout. Regardez, il ne bouge presque pas. Il ne bouge pas. Toute la différence avec Fouami tout à l'heure. Ah oui, il est stupéfait, Sidibé. En prendre 4, c'est difficile. Ben, vous voyez, le Maroc avait battu le Bénin 4-0. Ben, c'est le même sort pour le Mali. Et sur le papier, franchement, c'était pas prévisible. Alors, on va regarder, bien évidemment. Là, on n'aura peut-être pas le temps. On regardera les chiffres, savoir si le Mali a déjà encaissé en phase finale de championnat d'Afrique des Nations un score aussi lourd, 4-0. Il ne me semble pas, en tout cas de mémoire, moi je ne m'en souviens pas. Vous connaissez Claude, mon amour des chiffres. J'ai compté le nombre de tirs marocains. En première période, c'était 3 pour un but. Et là, en deuxième période, c'est pratiquement 100% d'efficacité. À tous les tirs cadrés sont rentrés, j'ai l'impression. Absolument. C'était un match de rêve pour les Lions d'Atlas. Ah, Bamako, on doit être déçu. On doit être très déçu. Oui, mais ils sont tombés sur une équipe en état de grâce. Sur une très belle équipe, sans doute l'équipe la plus complète de ces Coupes d'Afrique des Nations 2004. Et cela laisse bien augurer de la finale. Regardez un petit peu, c'est maintenant les techniciens. Avec Youad. Ah non, allez, il a raison. On ne peut pas tout réussir. Regardez, Zaki, il n'en revient pas, il rigole. Ah non, il rigole pas. Si Zaki sourit, c'est qu'il rigole.
Et j'espère. Alors, vous vous rendez compte pour ce gardien. Allez, Claude. Qui était un gardien mythique et certains des joueurs n'arrivaient à jouer avec lui. En tout cas, j'espère qu'il se déridera un petit peu avec la presse, que la prochaine fois, il nous permettra, quand on attend pendant 2-3 heures dans le vent, au moins de nous donner un petit mot et de nous permettre d'interviewer ne serait-ce que quelques secondes ces joueurs. Je crois que pour lui, l'essentiel, c'était de permettre au Maroc de faire un beau parcours. Et ce contrat, il l'a rempli. Il a rempli, c'est la fin, monsieur Charaf, siffle la fin de cette demi-finale de la CAN. Et donc le Maroc l'emporte 4-0 face au Mali. C'est une énorme surprise, on n'attendait pas un score aussi important, on attendait une belle réaction des Maliens. Mais l'équipe marocaine a été bien en place, aussi bien en défense qu'en récupération de milieu de terrain. Et puis l'attaque, qu'est-ce que vous voulez, c'est la meilleure attaque de la CAN, c'est la meilleure défense.